C'est toi qui fais le plus bruit, Anthony, j'aimerais bien dormir. Ah, désolé, je suis en train de faire à manger, maman. Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à faire une belle dégustation. Une belle ratatouille. Pas du tout. Aujourd'hui on va se faire un putain de giga tacos. Parce que j'ai la dalle de ouf, les gars. Je sais pas pourquoi j'ai un couteau, on dirait un psychopathe. On va le poser. J'ai la dalle de ouf, les gars. Il est actuellement 1h15 du matin, parce que je viens de finir un montage. Trickshot, si tu l'as pas vu, va le voir. C'est pour ça que j'ai le même t-shirt, ok? Ça fait depuis le début du confinement que je n'ai pas mangé un cheat meal, ok? Je n'ai toujours pas été au McDo parce que je viens de terminer mon sevrage du McDo, des fast-food et toute la merde. Donc je vais pas retourner maintenant au fast-food, je pense que je vais attendre encore un peu longtemps et je vais beaucoup me réduire. Avant j'en bouffais au moins 2-3 par week-end, les gars. Donc vraiment maintenant je vais vraiment essayer de me restreindre et de manger beaucoup moins de fast-food. Donc c'est pour ça que là je viens de me faire un fast-food. On peut pas appeler ça diète, ok? Parce que c'est pas diète, mais c'est mieux. C'est fait maison, tu vois. Alors je vais pas parler très fort parce que là où il y a mes parents qui dorment, je pense qu'à 1h15 c'est normal. Mais c'est pas grave, demain c'est dimanche, donc même s'ils m'entendent, ils vont rien dire, c'est dimanche demain, c'est pas grave. Hein? Allez, place à la cuisine. Let's go, bitch. Faire un giga tacos. Ok, premièrement déjà on va mettre un petit tablier parce qu'il faut respecter le métier, ok? Le métier de cuisinier, c'est un métier, ok? Donc il faut respecter. Ok, premièrement on va aller chercher tout ce qui est pain et viande, tout simplement, ok? Let's go. Il est 1h15, je suis en train de me faire un giga tacos. Alors le giga tacos ça va pas être si énorme que ça parce que je crois que j'ai pas beaucoup de viande en bas. Mais je vais essayer de faire un bon gros truc, ok? Avec ce que je peux parce que j'ai pas beaucoup de viande non plus. Mais on va se donner à fond et on va se faire du pien. Parce que j'ai la dalle de ouf, les gars. Tortilla, check. Steak, on va en prendre 3, check. Cordon bleu, on va en prendre 2. J'ai pas de frites, mais j'ai des pommes frites. C'est carré, c'est la même chose. Ce qu'on va faire, j'ai l'impression que je vais faire un tuto de cuisine, ça me tue. Je sais qu'au début de la chaîne, j'ai déjà fait des tutos cuisine, je crois. Des trucs genre des wraps d'IA, des trucs comme ça. Mais c'était tellement nul. Ah si, une fois par contre, j'ai fait pour faire des bons cookies. Et ça, c'était cool. En plus, c'était tellement bon. Moi, personnellement, je sais pas si vous faites comme ça. Mais moi, je ne décongèle jamais les produits. Je les chauffe vraiment dans le micro-ondes. Ça va plus vite. Alors bien sûr, il faut cette petite machine à panini. Parce que sans elle, vous ne pourrez rien faire, ok? Si jamais vous voulez le reproduire, hein. Mais en aucun cas, vous allez me dire dans les commentaires que je suis en train de faire un tuto cuisine. S'il vous plaît, ne le dites pas. S'il vous plaît, vraiment. Donc cette machine-là m'a servi énormément. Avant, tous les week-ends, je faisais des putains de tacos. C'était ma vie avant les tacos. Maintenant encore, mais là, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. J'avoue que là, je vais dead ça. Je vais clairement le dead, ok? Ça, on va commencer à le chauffer. Numéro masqué. Ah, c'est intéressant, ça. Allô? Allô? Oui. Bonjour, monsieur Briolo. Oui. Vous êtes actuellement nu dans votre cuisine. T'as gueule, il y a ma mère qui m'appelle, attends. Allô? C'est toi qui fais le plus bruit, Anthony, j'aimerais bien dormir. Ah, désolé, je suis en train de faire à manger, maman. Bah, t'en fous du bordel, je crois que c'était les filles. Bah, c'est les poils, elles sont lourdes. Ouais, mais attends, tu vas pas me faire ça la semaine prochaine, hein. C'est une blague, là. La semaine prochaine? Oui, je reprends le boulot la semaine prochaine. Moi, je te laisse. Ouais, mais maman, la semaine prochaine, je pars aux États-Unis. Ah, ta gueule, Anthony. On va aller prendre un steak de plus, je crois qu'il en reste. Attendez, j'ai trop la dalle. Ok, là on va passer à la sauce fromagère. J'ai rien à dire d'autre. Absolument. Un tacos sans sauce fromagère, ce n'est pas un tacos, les gars. C'est rien. Bon, je passe trop cool, sinon je vais me faire tuer. De la mozzarella, ok? Ok, on va mettre du fromage râpé. La vidéo, ça va être faire un tacos sans réveiller ses parents. J'ai cuit mon steak au micro-ondes. Ah, fils de pute. Arrêtez de me juger, je vous vois déjà. Ok? On va râper le fromage. Et pas râper sur tous les continents. J'en fous partout, mais pourquoi? On va mettre un carré frais 0%. Les gars, c'est la diète. Ça, en tout cas, je vous le conseille énormément pour ceux qui veulent perdre du poids. Carré frais, c'est trop bon. Et en plus, ça, c'est sans matière grasse. C'est grave bien. Le matin, sur vos tartines de pain complices. Vraiment, c'est pas une blague. Fille pêche céleste. Vite, vite, la cuillère. Voilà. Ça, on va les recouper en morceaux, comme ça. Je suis désolé, hein, je mets une casquette, c'est juste que je dois me couper les cheveux. Mais je peux pas me les couper parce que je suis en train de faire un projet. Bah, limite, je vous le dis, un court-métrage, ok? Qui va sortir pour les 5000 abonnés. Et du coup, bah, je peux pas me couper les cheveux vu qu'on a déjà fait les scènes d'avant. Donc du coup, bah, je dois me trimballer avec ces cheveux-là. J'aurais dû me les couper avant de faire le court-métrage. C'était peut-être plus intelligent, vous trouvez pas, non? Ouais, je pense. Je pense, hein. Vraiment, je pense. Oh non, ça chauffait pas. Mais quel con.
Ouais, je sais, on est pile à la moitié de la vidéo, j'ai fait exprès. Justement, pour te rappeler à toi qui n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, ou si tu viens de me découvrir tout simplement à l'instant, bah, abonne-toi à la chaîne YouTube, mets la petite cloche de notification, ça me ferait super plaisir, laisse un petit commentaire, et puis voilà, merci à toi. Je vous laisse sur la suite de la vidéo, le tacos, vous allez voir, il va être... Ah, je sais pas, j'en dis pas plus. Let's go, c'est parti. Ça monte. Samouraï et mayonnaise, le meilleur combo au monde. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou si vous êtes plutôt algérienne. Il y a plein de sauces. Dites-moi dans les commentaires, vous prenez quoi par exemple au tacos? Dites-moi vous. Tout simplement. Mais dites pas juste que vous êtes la team moutarde parce que là je vous connais pas. Ou alors juste ketchup. Ça du coup, on va le mettre dedans. Ça va être énervé. Ok, ça chauffe pas ça. Pourquoi tu chauffes pas toi? On ne veut pas carboniser le fromage, il faut remuer pendant que ça cuit. Est-ce que c'est vrai? J'en sais strictement rien, je vous dis peut-être de la merde. Dites-moi parmi vous si vous êtes cuisinier ou alors pâtissier. Dites-le moi, c'est intéressant, j'ai envie de savoir. Oh, ça saute, cette merde. Maintenant que tout ça est fait, on va commencer à dresser ce tacos. C'est parti. Une, deux, trois et quatre. Une comme ça, une comme ça. On va venir mettre le fromage. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé gras que du coup je m'en veux de ouf. Je suis en train de vider mon frigo, clairement. Vraiment pas beaucoup en mettre, faut y aller doucement. Il faut y aller doucement. Les gars, je vous ai dit, ce soir, je fais un carnage. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ok, on vient tout mettre dedans, du coup. Damn, en fait, j'ai fait un truc énorme. Je me rendais pas compte. On vient y verser le fromage, maintenant, mesdames, messieurs. Non, mais vous savez, les gars, c'est super important de prendre toujours ses précautions. Et si jamais il n'y a pas assez de fromage, comment on fait, hein? Dites-moi en commentaire si j'abuse sur le fromage ou... Ou si vous êtes pire que moi sur le niveau le fromage. Ok, alors pour le fermer, c'est le truc, on va dire, le plus chiant et le plus délicat, ok? Putain, il est énorme, en fait. En fait, ça fait tellement longtemps que j'ai pas l'habitude de voir tout étalé comme ça. Ok. Là, on est bon. On va le plier comme ça. Et on referme. Et bah, les gars, il est énorme. Et là, vous restez comme ça, il va maintenir la forme que vous souhaitez, en fait. Il fait vraiment la taille de ma machine, en fait, clairement. Je l'ai sous-estimé. Bon, on va retourner, par contre... bah tiens, parfait. Hop là. Vous avez vu là un peu la technique? Là j'aurais pu le flinguer. Ok. On se retrouve dès que je vais pouvoir le déguster. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Voilà. Regardez juste par rapport à ma main. Ouais, bon j'avoue là, ça doit grave vous donner envie de le manger. Je suis désolé, mais franchement, c'était super bon. Bah de toute façon, vous allez voir de toute façon. Allez, passez. Allez, les poids, par rapport à ma tête, let's go, c'est parti. J'ai mon tacos et je vais me poser du coup devant ma série. À la base je voulais aller dans ma chambre mais l'éclairage tout aurait été horrible. Donc je préfère directement rester ici, comme ça au moins ici c'est carré. Donc comme je l'ai dit, je regarde du coup la série You. Vous voulez connaître l'amour, le vrai cette fois. Me jugez pas, c'est pas un film romantique, enfin si, mais c'est un psychopathe. Commencez pas à dire Anto il regarde des films romantiques Mais bon, après je vais goûter, je vais vous dire tout de suite si c'est bon ou pas. Ça faisait si longtemps. On va essayer de le finir, on verra bien. En tout cas, je vais pas me forcer, les gars. Oh, c'est un psychopathe! Waouh! Il faut régler, toi et moi. Il faut qu'on parle. Ouah, les gars. J'ai tapé plus de la moitié. Et là, j'ai eu un coup de barre, comme quand j'avais commencé le Gigataco. J'ai eu un coup de piou. Genre, stop, arrête-toi, genre. Ouh, on va continuer parce que j'ai encore un peu faim. Pause, mais on va vite reprendre. Mais ok, la team, écoutez, voilà ce qu'il me reste. Il me reste rien du tout. Voilà, je dis sincèrement, du coup, là, il me reste pas grand chose, ok. Ça fait actuellement 40 minutes que j'étais en train de le manger. Et du coup, bah là, j'arrête. Je le finirai demain avec grand plaisir. Mais c'est juste que là, ça sert à rien. C'est vraiment me forcer. Là, je pourrais encore manger, encore, je pense. Hein. Vraiment, je suis pas calé non plus. Mais c'est juste que j'ai pas envie de me forcer à avoir mal au ventre et tout. Ça ne sert à rien, ne vous forcez pas. Donc voilà, ça m'a fait plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un cheat meal. Même si franchement, ça m'a pas si manqué que ça. Et que franchement, bah, je regrette limite d'avoir mangé un fast food. J'étais pas obligé, mais bon, ça fait du bien. Ça fait du bien au cerveau, ça fait du bien à votre corps, ça fait du bien partout. Même si c'est dégueulasse, ça fait toujours du bien psychologiquement, ok. Donc voilà, bah écoutez, dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien quand je mange des choses, quand je fais des recettes ou des trucs comme ça. Je sais pas, dites-moi tout dans les commentaires. De toute façon, je vous l'ai dit, pendant le mois où je fais une vidéo par jour, je vais tester plein de concepts. Et donc, ce sera à vous de me dire en commentaire à chaque fois si vous aimez ou si vous n'aimez pas. C'est super important, c'est vraiment important, faut vraiment me le dire en commentaire. Donc voilà, bref, n'oubliez pas la team d'ici là. Prenez soin de vous. Non, il y a tout du partout. Je voudrais voyager sur tous les continents, emmener mes parents à la plage. Grâce à mes finances, je perds pas mon temps car j'ai besoin de mailles. Je veux beaucoup d'argent, je veux pas être sur la paille. Je voudrais voyager
les continents, emmener mes parents à la plage. Grâce à mes finances, je perds pas mon temps.